Alors. Le pistard Nicolas Prost face au rallyman Quentin Giordano, c'est le menu de cette affiche et de la première ligne. Alors, évacuation de la piste demandée, ça a été fait. Le drapeau rouge est allumé, jingle de départ. Et c'est parti avec un superbe départ. Berton qui part tout le monde devant. Eh oui. Oh terrible, il nous refait le coup de pucier. Exactement. Berton avec la voiture également. Elle a un truc cette voiture, c'est pas possible. À mon avis, ils avaient dû en parler. Ça oh devait là être là, dans terrible. La stratégie ça. Incroyable départ, mais attention, Quentin Giordano peut-être à l'intérieur va résister, mais le départ canon à l'extérieur, c'est terrible de Nathalie Berton. Il l'avait annoncé, il avait dit je veux gagner des points. Et ben voilà, la meilleure. Il en a gagné deux d'un coup. Allez, ça c'est réglé déjà. Et puis là pour Quentin Giordano, c'est un petit peu plus difficile parce que lui, il n'est pas habitué aux courses en peloton, alors que en ce qui concerne Nathalie Berton, il en fait depuis des années. Oh, quel terrible départ encore une fois. Superbe. Alors attention, voici peut-être une réplique derrière. Non, pour l'instant, Quentin Giordano reste deuxième. Ouais, c'est ça. Avec 5 dixièmes seulement. Gervozon était troisième, Nicolas Prost 4, Rivière 5 et Dasian 6. Ouais, Nicolas Prost, il a perdu de place quand même. Il a encore perdu de beaucoup ça fait encore des points de perdu quand un Giordano qui essaye de résister face à Nathalie Berton. Alors là, on n'a plus la seconde traditionnelle dans cette finale Elite Pro, puisque Quentin Giordano est dans le bouclier arrière de la voiture de Nathanaël Berton. Et Giordano qui déclarait tout à l'heure qu'il voulait être tranquille pour avoir plus de visibilité. C'est pas le cas, il va passer peut-être. Oh, superbe la manœuvre de Quentin Giordano. Oui, ça passe avec Nathanaël Berton. Et bien pour quelqu'un qui n'a pas l'expérience des courses en peloton, c'est fait. Mais attention à la réplique de Berton. Génial la finale. À l'entrée de la parole. Il passe. Il se touche. Les deux voitures se touchent. Berton qui passe. Et Giordano qui passe. Mais il a tapé. Aïe, aïe, aïe. Problème pour la voiture. Il y a eu un choc. Il y a eu un choc entre Giordano et Berton. Et Giordano est resté au tapis. Ah oui, je crois qu'il a une roue qui est tordue. Arrière gauche tordue pour Quentin Giordano dans le choc avec Nathalie Berton. Ça a été bing, bam, boum. Et voilà. Et donc là, on va continuer à suivre donc la progression de Nathalie Berton. Et bonne opération pour Louis Gervozon, revenu deuxième. Oui, il dit tiens, qu'est-ce qui se passe, je suis en tête. Il était sur la dernière ligne quand même, Louis Gervozon. Regardez la roue arrière gauche, il doit être un peu dégoûté à Quentin Giordano. Contact avec Nathalie Berton. Le porte-moyeu n'a pas résisté et il est obligé de s'arrêter. Quentin Giordano, voilà, il a quitté la voiture par sécurité, il est monté sur le talus. Et devant, Nathalie Berton, mais attention. Gervozon revient, il n'est pas encore en tête, mais il n'est pas loin. Et les bagarres, Nathanaël Berton. Louis Gervozon, on en a eu déjà des dizaines. Il y a du passé, il y a l'histoire. Il y a l'histoire. Entre les pilotes. Bon, du coup, Nicolas Prost récupère la troisième place. Rivière, Dasiano. Là, c'est serré. Ah, c'est serré, là, oui, parce qu'on n'a plus les écarts habituels. Hop, on a une voiture au ralenti dans la montée. Là, j'arrive pas à voir qui c'est. Je vois pas quelle est la voiture qui est au ralenti. Et qui c'est Berton, c'est Berton. Non, c'est pas vrai. Et si, Gervozon est en tête, Berton. Oui, Berton est arrêté, il a lui aussi subi. Dans le contact, de toute façon, c'est arrière gauche et arrière droit. Donc là, s'il y a eu quelque chose entre les deux, et ben les deux au tapis. On avait anticipé, on avait dit Louis Gervozon en tête. Ben voilà. Alors, Louis Gervozon, parti de la dernière ligne, est en train d'aller. Et pour l'instant, incroyable. En tête de cette finale, il va rentrer dans le dernier tour dans quelques instants. Ouais, mais du coup, ça va donner des idées à Benjamin Rivière. Et puis à Manuel aussi. Et à Nicolas Prost. Oui, à Nicolas Prince, pardon. Dernier tour, on va suivre ce trio après l'abandon de la première ligne. Ah, c'est génial. Incroyable finale, on a perdu les deux premiers. Et du coup, ce sont trois pilotes pour une victoire. Allez, des tombés par KO là, tout au long de cette finale. Et pour l'instant, c'est Louis Gervozon. Mais attention, il a fait l'intérieur. Non, non, mais là, Louis Gervozon, il va fermer toutes les portes. Il va dire non, je ne vais pas laisser passer celle-là. Ah, il les a fermées, il les a calfeutrées. Il vaut mieux parce que derrière, c'est Banzai. La visibilité va commencer à être compliquée. Quand on est derrière, Benjamin Rivière qui tente quelque chose peut-être sur Nicolas Prost. Accélération. Ah, peut-être, non. Non, ça va être compliqué. Et voilà, drapeau jaune, ça peut plus changer maintenant. Et donc, victoire de Louis Gervozon. Devant Nicolas Prost et Benjamin Rivière. Quelle finale. Ah, mais dis donc. Quelle finale. Ben, Nathalie Berton avait annoncé la couleur tout à l'heure au micro d'Audran en disant « je vais gagner des points ». Il y a eu un dépassement terrible de Nathalie Berton. Une réplique de Quentin Giordano qui a repris la première place. Et finalement, ensuite, il y a eu un contact entre les deux. Et les deux sont restés sur le carreau.